Plus tard du tout, c'est en gros les plus importants pour avec un plaisir d'avoir des carreaux. Zen est installée 4 écoles en Afghanistan. Elle est en France depuis le mois de juin, mais elle souhaite repartir pour poursuivre sa mission. Son témoignage est recueilli par Stéphanie Malorant et Vincent Lemiel. L'évacuation continue dans le chaos. Malgré leurs promesses, les talibans se sont lancés dans une sorte de chasse aux sorcières et ils font en ce moment même du porte-à-porte à la recherche de ceux qu'ils considèrent comme des traîtres. On en parle avec vous, Karim Yayaoui, vous êtes à France 24. Ils ont même volé des appareils biométriques américains, des appareils qui malheureusement risquent de leur faciliter la tâche. Tous ceux qui ont travaillé avec les Occidentaux sont des ennemis des talibans. Ouais, je suis fatiguée, j'ai toujours pu en faire des choses.
truc, on m'a dit appelez un deuxième plan, appelez-moi, ça nous sont d'aide, vous donnez de la courage. C'est trop prénom. Je me sens, mais bon, j'ai une chance énorme. Pas d'eau. Il y a un truc d'expertise. Je sens plus parce que je t'entends.